want you to be here inside my arms where the night goes down. Mais non. De ouf, t'es pas encore arrivé. Au pire, je le remets un peu plus centré non, quand t'arrives. Que le canapé il soit grave centré, qu'il y a, ah, y a bah ça oui, et ça de chaque côté. Peut-être décale à ton tabouret parce que là, ça va pas le voir, non, c'était comme ça. Oui, c'est vrai. T'as essayé. Ça tourne là depuis tout à l'heure. Hein. Mais toi, tu me gênes un peu, vas-y, va faire un tour. La scène, elle y est. Au pire, c'est pas grave si on coupe, il y a des moments un peu moins bien que d'autres. Vous voulez pas, on reprenne depuis le départ. Action. Scène 1. Du coup, nous sommes déjà arrivés à Nice. Pourquoi on est à Nice? Parce que je vais retrouver, enfin non, j'ai déjà retrouvé du coup une personne très spéciale. Je vous présente Justine. Du coup, bah, elle va se présenter parce que c'est la première fois devant une caméra, donc ça va impressionnant. Elle va s'habituer. Qui es-tu? Pourquoi on se connaît? On se connaît depuis qu'on a 3 ans. C'est vrai en plus. Ouais. On était ensemble en maternelle. Mm-mm. Et du coup, bah, on est potes depuis qu'on a 3 ans. Donc c'est ma meilleure amie d'enfance, quoi. Ça, voilà. Obligée de la rencontrer un jour. Et donc, du coup, tu habites à Nice. Et donc, c'est ça. On va faire quoi? On va faire les 400 coups à Nice. Voilà. Je reste une semaine et du coup, bah, on va visiter. Du coup, je suis arrivée hier en avion. Mon avion était à 9h, c'était assez tôt. Et on a été se balader l'après-midi. À Nice, oui. Dans le centre. Et après, on est allé dans un bar et on a joué au billard. On n'avait jamais joué toutes les deux. Mais comme c'était la première journée, on n'a pas trop filmé. Mais aujourd'hui, c'est bon. C'est bon, on est lancé, ouais. Ouais, voilà. On va se balader et puis bah voilà. Bah, je prends un appareil photo de toute façon, comme d'hab. Et hop là. Waouh. C'est sûr qu'à pied ça se fait, hein? Ah oui, j'ai jamais fait de la montagne, je te dis. Et il y a combien de marches? 90 mètres d'altitude. 90 mètres? Ouais. Tout Jésus. On est obligé d'aller vite, hein? Alors là, on va en haut de la colline du château, ça s'appelle. C'est au bout de la promenade des Anglais à Nice. C'est sympa, il y a tout un parc à l'intérieur et il y a une petite cascade et tout, donc voilà. On doit y aller à pied. Il y a plein d'escaliers. Il y a plein d'escaliers. Donc Inch'Allah on arrive jusqu'au bout. Mais oui. Apparemment elle l'a fait plein de fois, donc pourquoi pas. Mais oui, ça va aller. J'en peux vraiment plus là. T'inquiète, la fin de on est déjà un peu haut hein, quand même. Elle monte ça tranquille, mais tout ça de on arrive quand? Bientôt, bientôt. Regarde, c'est trop beau. J'avoue. Non mais moi j'en peux plus, laisse tomber. Je sais pas comment tu montes ça tranquille. Ouais, t'as un autre point de vue. Oh. One eternity later. On a réussi! C'est beau, hein? C'est trop beau!
Il y a la vue sur tout Nice. Je veux trop voir l'arrivée de la cascade. Oh mais non, je suis... here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't. Et là, ils sont en train de faire l'épreuve pour gagner la protection. Ah non, pour gagner des perles. Mais elle est possédée. Attends, je peux juste mettre pause tant que je fais à manger. Je suis mort, oui. On mange quoi? Bah du coup, steak, pâtes. Après, on a acheté du Nutella et tout, et on va faire des crêpes. Ça va être trop bon. Trop bon. Parce qu'on en a mangé une tout à l'heure. Bah je vous ai montré. Ouais. Et ça nous a donné trop envie. De ouf. On avait envie d'en manger d'autres, donc on va les faire nous-mêmes. Et on regarde Moundir. Et on assume en plus. On a un gros débat. Vous voyez Ilan de la télé-réalité. Personnellement, oula, c'est un gros zoom. Personnellement, je le trouve vraiment très 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 beau. Et Justine, je trouve ultra moche. Mais ultra moche carrément. Vraiment, je trouve moche. Je comprends pas. Bah moi, je comprends pas comment tu peux le trouver moche. Il est pas beau du tout. Même si c'est pas de charme en fait. Genre, il fait juste gros charme. Même si moi franchement je suis pas d'accord avec son attitude tout le temps et tout, ouais, mais franchement honnêtement rationnellement il est très très beau. Genre non, je toute la ligne moi, honnêtement. Dites-nous dans les commentaires si vous trouvez beau ou si vous trouvez moche. Je vais mettre un petit sondage dans le petit i. Hop hop hop. Yes, on est prêts pour manger. Merci chef Juju. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Bon alors, on a réussi ces crêpes, hein? Divine, nickel. Du premier coup. Du premier coup. Trop easy. 10 minutes, on a fait tout ça. Franchement, ouais, grave. 10 minutes, pâte à crêpes, le temps de faire chauffer la poêle et les crêpes. Mais c'est ça. Que du mytho. Que du mytho, c'est trop dur de faire des crêpes. Elle a une poêle qui est pas droite. Arrête, elles sont trop belles les crêpes. Mais elle est pas droite ta poêle, déjà. Bah ça se voit pas. Bah ça se voit pas, parce que j'ai mangé les crêpes du début. Hein. De là, quoi tu parles? Ça baigne dans l'huile, hein. C'est ça la vérité. Hein. Sinon on vous mytho. Moi je te le dis, on vous mytho. Instagram c'est pas la vérité. Parce que là on va faire une photo de cette pile de crêpes là. Mais c'est pas la vérité. Il y en a eu trois avant qui étaient dégueulasses. On a qui étaient de la bouillie. Dans l'huile, c'est pour ça que ça marche. Mais c'est pas des vraies crêpes. Moi je suis pas d'accord. Moi je suis une bretonne et je ne suis pas d'accord. Moi je suis pas bretonne et je suis d'accord. Je trouve ça plutôt sympa. Ça avec une dose de Nutella et ce sera parfait. Je sais plus quoi. J'en ai marre de faire des crêpes. Là, ça fait une heure que j'en ai marre de faire des crêpes. Je regarde la fin de l'épisode de Moundir. Je veux savoir qui s'en va. Ça me stresse et je dois continuer à faire des crêpes. Y a pas un seul nuage. Trop bien. Bon, aujourd'hui du coup on va à Cannes parce que moi j'ai personnellement jamais été, enfin j'ai jamais fait toute la Côte d'Azur et tout. On va aller à la plage et tout parce qu'il fait trop beau. Je crois que je vais montrer le ciel, mais genre. Weird.
Et tous les jours, vous allez me faire faire une randonnée ou quoi? Ouais. Allez. Allez. Regardez, il y a une histoire là. Je vois ce que tu fais ici présent. Ah, j'avais pas vu, je comprenais pas pourquoi tu parlais de masque. C'est porté par qui? Le fils de Louis XVI. Le fils de Louis XVI. Ça, en fait, il parlait de bar. Mais oui. Oh, pardon. On avait pas compris. La visite n'est pas terminée. C'est trop beau. Vas-y, viens, fais une petite danse. Sinon ça va sortir. Mec. Ah là là, je suis rouge cette fois. Ah bah la crevette de retour. Bon, on vient de rentrer et faut qu'on vous raconte une histoire. Ce soir, on mange des sushis. Donc on a tout ça chacune. On a tout ça chacune. Donc là, c'est séparé en deux. Et en gros, on a commandé sur l'application Too Good To Go. Donc j'en ai déjà entendu parler, mais j'avais jamais fait pareil. Moi aussi, c'est ma mère qui m'en avait parlé. Et comme j'étais toute seule, chaque fois que j'y pensais, bah, jamais ça m'est venu à l'idée de le faire. En gros, ça consiste à racheter les invendus de magasins. Donc en gros, tu payes pour consommer ce qui n'a pas été vendu dans la journée. Du coup, c'est beaucoup moins cher. Voilà. Et genre en gros, du coup pour 12 pièces là, pour une part, c'était 3,90€. 12 sushis. Alors qu'on a regardé sur la carte, et de base c'est 17€. Enfin vous connaissez sûrement les prix des sushis. Mais du coup c'est trop un bon plan. Genre si vous cherchez à manger des trucs un peu sympas, ou si vous voulez des trucs un peu dans certains restos et tout, ou même des magasins genre Carrefour, Intermarché et tout, je pense qu'il y avait des boulangeries dans certains, aussi, boulangeries, voilà. Et ben en gros, vous pouvez le matin vous connecter sur la carte. Voilà ce que j'allais dire, faut commander avant. Ouais, nous, parce qu'il y a un nombre, de sacs par jour. Alors, il y en a l'avocat, concombre, thon cuit, thon cru. Moi, je préfère ça au saumon perso, mais c'est pas grave, il y en a deux au thon cru quand même. Concombre cheese et là des enroulés saumon et voilà j'ai eu à la même chose donc plutôt pas mal franchement pour 3,90€ ça vaut vraiment le coup. Et sinon on a été à la plage donc ça se voit à ma gueule, je suis rouge écarlate. Nous avons pris quelques couleurs mais bon ça se verra demain, ça se verra demain. Ça sera plus bronzé, ouais le rouge va tourner. Du coup voilà donc bref on va manger parce que là il est 23h et qu'on a clairement trop faim, on vient juste de rentrer.